Le livre qui compte pour moi, c'est Maudit Karma de David Safier. C'est un livre que j'ai lu lorsque j'étais adolescente, que j'ai lu en fait car ma mère le lisait et je l'entendais rire, mais rire aux éclats en lisant ce livre, et je me disais mais maman, pourquoi tu ris en fait? Mais c'est le livre, ma fille. Et en fait, je pensais pas qu'un livre pouvait nous faire rire à ce point. C'est une dame qui meurt soudainement, écrasée par une météorite. Et de l'au-delà, elle voit sa vie. En fait, elle se rend compte qu'en tant que mère, elle n'a pas été une bonne mère, qu'elle n'a pas été une bonne épouse. Et elle entame le long chemin, le long cheminement du karma. C'est un roman qui est drôle, qui est très second degré, hein, puisque mourir écrasé par une météorite, c'est quand même peu probable. Mais c'est plein de philosophie. Je l'ai lu quand j'étais ado, et maintenant, bon, j'ai 25 ans, et j'aime beaucoup cette pensée, en fait. Effectivement, ce qu'on fait aujourd'hui aura un impact plus tard, un impact sur d'autres que nous, sur plus grands que nous. Et même si on n'est pas croyant, on peut tout à fait s'y retrouver.